Bienvenue, bienvenue sur, sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, en partenariat avec La Croix, avec Radio Notre-Dame, avec le réseau des, des radios RCF. Alors, nous accueillons aujourd'hui un député européen, Yannick Jadot. Yannick Jadot, qui est le tête de liste des écologistes aux élections européennes du mois de mai. Bonjour, Yannick Jadot. Bonjour. Alors vous êtes donc député européen, vous allez euh, conduire la liste des Verts qui a six, pour l'instant 6 élus, qui est située autour de 10% en ce moment dans les, dans les sondages, vous espérez un peu plus, mais vous êtes pour l'instant en quatrième position et vous avez écrit un livre, un livre qui est euh, « Aujourd'hui tout commence », c'est votre programme. Il y a du dolor dans, dans ce livre, aussi bien dans le ton, dans les convictions, dans les propositions c'est un bel hommage. Mais, mais c'est un peu incantatoire aussi. C'est quand même un rêve un peu européen. Alors, on aimerait, pendant cette heure, que vous nous expliquiez comment faire cette Europe dont vous rêvez. Alors, vous serez interrogé par trois journalistes, de, partenaires donc, de cette émission Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, Laurent de Boissieu de La Croix et euh, Romain Masnour de RCF. Commençons par quelques petites précisions sur cette Europe. Euh, vous savez comme moi qu'il y a allez, une forme de désamour pour l'Europe. Régis Debray, dans son petit opuscule qu'il vient de publier sur, sur l'Europe, nous dit que c'est un fantôme d'abord. Et il nous dit que euh, jadis l'Europe, c'était la solution. Aujourd'hui, c'est le problème. C'est un peu vrai quand même. Alors, comment faire une campagne électorale et comment faire aimer cette Europe euh, qui est un peu un problème Comment vous allez vous y prendre je ne crois pas que l'Europe soit un problème aujourd'hui. Ah bon euh, je pense que euh, notre modèle euh, de développement est un problème, je pense que la crise écologique est un problème, je pense que les égoïsmes sont un problème, je pense que l'individualisme est un problème, mais je pense que l'Europe est une grande partie de la solution. Euh, comment imaginer euh, face à Trump, face à Poutine, face aux Chinois, Face à Bolsonaro aujourd'hui Comment imaginer que repliés derrière des frontières, nous soyons en capacité de faire de nouveau rêver nos enfants, de retrouver un espace de solidarité comme lutter contre le dérèglement climatique ou l'anéantissement de la biodiversité Évidemment, il nous faut être en capacité, il nous faut créer le rapport de force à l'échelle mondiale face à toutes ces menaces. Et puis de même, Comment imaginer que euh, les petits Britanniques aujourd'hui puissent de nouveau rêver du monde quand on leur bouche les portes du continent Comment imaginer reconquérir le pouvoir sur nos vies à l'échelle de nos terroirs, qu'ils soient ruraux ou urbains, si on n'a pas l'Europe comme espace de souveraineté, comme espace de protection sur le social, sur l'environnement, sur l'agriculture, l'alimentation, la mobilité, sur la recherche, sur l'industrie. Moi, je suis absolument convaincu que l'échelon européen est un espace de solution. Alors attendez, pour la vivre au quotidien, l'Europe, c'est souvent pire que ce qui est dit. Alors Elle est souvent décriée, mais c'est souvent pire. Mais, mais... mais quelle alternative quelle alternative comme espérance civilisationnelle que l'Europe J'en vois pas. Alors si on a besoin de cette Europe, comme vous nous le dites, euh, il faut la faire aimer, cette Europe. Bien sûr. Or pour beaucoup de gens, l'Europe, c'est une planche à billets. Ça doit être autre chose. Alors dites-nous, c'est quoi l'Europe, sa particularité Quelle est l'âme de l'Europe pour qu'on l'aime, cette Europe, et qu'on ait envie de se battre pour elle C'est quoi l'Europe aujourd'hui L'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne, en tout cas les institutions de l'Union européenne, parce que je crois qu'il faut toujours distinguer l'Europe de ses institutions. En France, moi j'aime la France, ça ne m'empêche pas de pouvoir être critique vis-à-vis -vis des politiques du gouvernement ou même vis-à-vis -vis du fonctionnement de l'État. Mais j'aime la France, je suis un patriote, mais je suis aussi un patriote de l'Europe. J'aime l'Europe et je distingue l'Europe. L'Europe m'atrie, comme euh, l'explique Bruno Latour, mais euh, des institutions. Alors oui, aujourd'hui, euh, les institutions européennes, pour beaucoup, sont devenues détestables. Quand c'est une technocratie arrogante, quand euh, finalement euh, la solution qu'on nous propose en permanence, c'est le libéralisme, quand la recette, c'est l'austérité, quand la méthode, c'est la technocratie, ça devient évidemment détestable. vous, vous rendez compte que finalement... Ce que nous propose l'Europe et les dirigeants européens, c'est comme rêve d'une génération 3% de déficit. Tout ça est détestable. L'Europe que j'ai envie, pour laquelle je me bats, c'est celle qui nous réconcilie avec le futur, parce qu'elle nous réconcilie avec le climat et la biodiversité. C'est celle qui devient un espace d'ouverture, parce que c'est un espace de solidarité. Et dans ce livre, euh, et dans cette campagne, on va euh, mettre sur la table nos propositions pragmatiques, réalistes, rationnelles du point de vue économique comme du point de vue social pour, euh, encore une fois, remettre au cœur euh, de notre espérance collective un projet partagé qui serait l'Europe. – Eh bien, Louis Dauphine va prendre le relais pour euh, essayer de savoir c'est quoi cette Europe. – Eh bien oui, si je résume ce que vous avez dit, en fait, vous aimez l'Union européenne mais vous la détestez. Non, j'aime l'Europe, mais euh, les institutions européennes aujourd'hui, telles qu'elles fonctionnent, sont souvent détestables. Mais si euh, la France était le paradis sur Terre, il n'y avait pas de violence, pas de haine pas d'inégalités, si on était euh, pas de pesticides, euh, que on n'avait que des énergies renouvelables et des économies d'énergie dans nos logements. Je dirais effectivement, cette Europe est détestable, restons en France, c'est le paradis sur Terre. Mais je crois qu'en France, on a les mêmes problèmes qu'à l'échelle européenne et malheureusement, ce statu quo libéral technocratique que je critique, eh ben c'est aussi celui qui a amené Trump aux États-Unis, c'est aussi celui qui a conduit au Brexit, ou à Salvini en Italie, ou encore à Bolsonaro au Brésil. Donc, moi, je veux révolutionner l'Europe de l'intérieur pour justement que cette Europe soit notre espérance civilisationnelle. Mais prenons un exemple. La ligne TGV Lyon-Turin, par exemple, c'est oui. bien parce qu'elle est subvention européenne sur ce projet. Que ce projet doit se faire pour certains, sinon les subventions iront ailleurs. On est d'accord, mais moi je, êtes... rêve. Donc, je, -ce rêve je, rêve je rêve. Donc, qu'est-ce que vous Vous dites surtout plus sur... de subventions. Il faut revoir ce système qui, en fait, nourrit euh, la destruction écologique. Qu'est-ce ah ben, que vous là, dites sur ce si sujet? Vous, voulez, vous avez un, pro, un projet franco-italien totalement aberrant, au-delà de 25 milliards d'euros, alors qu'on a déjà une ligne qui fonctionne et d'ailleurs elle est contestée, y compris par la Cour des comptes. Y compris par nos fonctionnaires, ce projet-là. Et je dis justement, si l'Europe veut retrouver, euh, j'allais dire la, la confiance des citoyens européens. Elle doit être immédiatement utile. Quelle est la demande des citoyens européens aujourd'hui Est-ce que c'est des projets faramineux ou est-ce que ce sont les transports du quotidien Oui, l'Europe doit investir dans les transports du quotidien. Quelle est l'attente L'Union européenne, l'Union européenne s'est faite autour de la logique des transports. C'était un point clé de la construction européenne. De tout Elle s'est faite autour et... de, du marché. Et Elle là... s'est faite autour du charbon et de l'acier, mmh. la première étape. Et donc, justement, quand l'Europe donc là, elle devrait renoncer à ce projet. Ah oui, là l'Europe et la France et l'Italie devraient renoncer à ce projet, c'est un énorme gaspillage d'argent, une empreinte écologique beaucoup trop lourde, mais surtout une aberration parce qu'il y a déjà une ligne qui existe et qui n'est pas utilisée à la hauteur. De ce, qui, de, de ce dont on a besoin et de ce qu'on pourrait faire pour sortir les camions de la route et les mettre dans mettre les marchandises. Alors, quelle devrait dans être la réponse de l'Europe sur ce type de sujet L'Europe que vous souhaiteriez. Qu'est-ce qu'elle devrait dire L'Europe devrait dire, au regard du gaspillage d'argent public, qui est rare, l'argent public aujourd'hui, au regard de l'empreinte environnementale. Nous préférons que les Italiens et les Français se mettent d'accord sur l'utilisation de la ligne existante, pour laquelle il y a déjà eu un milliard de rénovations qui a été déjà alloué Et il faut mettre les marchandises dans des trains. Et justement, un des grands projets européens. Et d'ailleurs, dans lequel pourraient s'inscrire des alliances entre Siemens et Alstom, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, ça serait un grand projet de fret ferroviaire. Qu'on déplace en Europe les marchandises sur des trains, on est en plein pic de pollution, on est euh, euh, sur une aberration écologique liée au transport routier, eh bien, investissons là-dessus. Faisons le Airbus du fret. Du ferroviaire, pas simplement en jouant de la fusion d'Alstom et de Siemens, mais en faisant, en reprenant l'Airbus de l'aérien, qui est la mise en réseau, la mise en coopération de tous les opérateurs européens. nous sortons de ce, de ce sujet euh, européen, certes, de, donc de, de, du Lyon-Turin. Est-ce que c'était à l'Europe de s'opposer au projet de euh, fusion Siemens et euh, Alstom Est-ce que c'est à l'Europe de le faire L'Europe a des responsabilités en matière de concurrence. On est très content quand l'Europe cogne euh, Apple, quand l'Europe cogne Google, qu'elle s'attaque à Starbucks ou au schéma euh, euh, d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale euh, d'IKEA et des autres. Là, là, on est toujours très content. Là où je regrette profondément, c'est que, en fait, l'Europe n'a pas de politique industrielle. C'est un des défauts originels de l'Union européenne. On a un marché. La seule, le seul secteur où on s'occupe des producteurs, c'est l'agriculture, mais on a 28 souverainismes industriels. C'est-à-dire qu'on se fait la guerre entre Européens du point de vue industriel, alors que la guerre aujourd'hui, elle est avec les Chinois, elle est avec les Américains ou avec d'autres. Donc moi, je rêve et on défend une politique industrielle européenne. J'étais encore euh, hier euh, euh, du côté de Montbéliard. J'étais avec l'entreprise Christelle qui, euh, qui fait euh, des, des, des objets culinaires, euh, mais des outils ne, culinaires. Vous ne répondez pas à ma question. Ben si. Est-ce que c'était à l'Europe de s'opposer au rapprochement Moi, ce que je regrette, c'est que l'Europe ne fasse pas comme Airbus, ne fasse pas euh, Alstom, Siemens, les Espagnols, les Italiens autour d'un Airbus du ferroviaire, parce qu'on doit se battre contre la concurrence internationale, on doit aujourd'hui être extrêmement vigilant et beaucoup plus dur vis-à-vis des Chinois, et moi je défends à la fois donc, cette capacité sur les énergies renouvelables, sur le ferroviaire, sur la sidérurgie, sur le numérique, sur tous ces secteurs stratégiques, on doit avoir des géants européens, on doit avoir des projets européens et les écologistes, aujourd'hui, défendent aussi ce qu'on appelle un protectionnisme vert, ce n'est pas le nous contre eux. C'est, par exemple, mettre la taxe carbone aux frontières parce qu'il y a des pays qui s'exonèrent totalement de la lutte contre le dérèglement climatique et ça met leurs entreprises en, en, en plus compétitives au sens, mais sur le dumping climatique que les entreprises européennes dont taxe carbone aux frontières. Et nous défendons aussi l'idée que d'ici cinq ans. On interdise d'entrer sur le marché européen les produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. C'est la protection des salariés ici, c'est la protection des salariés là-bas. Utilisons le fait qu'on est la première puissance commerciale du monde pour imposer nos choix de société, pour imposer des choix de société et des valeurs universelles. La liberté syndicale, ça doit être un droit universel est ce que votre discours n'est pas un peu inaudible dans ce contexte de gilets jaunes où l'europe est perçue de toute façon ou plutôt l'union européenne comme un élément punitif et, et faire passer une idée en nuance sur ces questions là électoralement n'est pas forcément euh, rémunérateur. et va vous... moi je cherche pas je, Moi, dans, dans cette période des gilets jaunes euh, je ne cherche ni euh, à attiser euh, les braises ni à souffler sur des logiques insurrectionnelles. j'ai toujours condamné y compris euh, les dérives violente des Gilets jaunes, mais il y a une demande, et vous avez raison, qui est de lutter contre la fracture territoriale, de lutter contre la fracture sociale et une forme de fracture démocratique avec des personnes qui ne se sentent plus représentées politiquement ou qui se sentent invisibles dans la République. Donc il faut redonner de la dignité, de la reconnaissance. Mais quand je défends l'Europe, c'est justement quand je dis que dé... les écologistes portent une Europe des terroirs. C'est à travers l'investissement, et notamment l'investissement européen, faire régler ces problèmes de transport du quotidien. Quand on se bat pour les énergies renouvelables, ce n'est pas simplement le chaos climatique qu'on veut éviter. Quand on se bat pour les énergies renouvelables, c'est aussi des entreprises et des emplois à l'échelle locale. Quand on se bat pour un plan Marshall de la rénovation de nos logements, ce sont des artisans, des ouvriers, des ingénieurs, des architectes. À l'échelle de tous nos terroirs, dans toutes nos zones rurales, dans nos bourgs, dans nos quartiers. Quand on se bat pour une autre agriculture, et c'est une grande politique européenne, la politique agricole commune, quand on se bat pour que les 9 milliards d'euros qui, tous les ans, tombent en France pour soutenir l'agriculture aillent vers une agriculture paysanne, une agriculture biologique, ce sont des paysans sur tous nos terroirs. Et donc, vous avez de l'activité économique, vous avez de l'emploi, et bien vous avez des services publics vous avez de la culture et vous avez de la démocratie. Donc je suis convaincu qu'on a une capacité à travers l'Europe, pas seulement l'Europe, les collectivités locales, l'État, mais notamment à travers l'Europe, la capacité justement à redonner du pouvoir sur l'échelle des terroirs et à partir de là, je peux vous assurer que on n'aura plus ces mouvements de gilets jaunes, de personnes qui voient disparaître les services publics, voient disparaître l'activité économique et au fond sont prêts parfois, pour une partie d'entre eux, à s'inscrire dans des logiques nationalistes et populistes. Donc, sans passer par l'échelon national, vous pensez que l'Union européenne a peut apporter une prospérité absolument. locale Absolument, à oui. travers l'investissement. Oui. Juste pratiquement, parce que tout ça est absolument réaliste, la Banque centrale européenne a, sur les trois dernières années, sorti 2600 milliards d'argent public pour financer les rachats de dettes. Avec, juste avant, on a sorti 1000 milliards pour sauver les banques après 2008. C'est jusqu'à décembre dernier 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros par mois. Si on met cet argent-là, donc il ne s'agit pas, les écologistes n'appellent pas à la création d'un truc qui n'existe pas. Si on met ces 30 milliards sur le climat, sur la, la mobilité, sur les services publics, si on met ça, ben je peux vous dire qu'on aura un effet d'emploi extraordinaire. Et quand l'Europe ne sera plus vue comme un, un comptable euh, 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 autoritaire, euh, technocratique, arrogant, mais comme des institutions qui créent de l'emploi, et qui créent de l'emploi sur un projet d'avenir. Où vont-ils que... ces 30 milliards aujourd'hui Pardon Où vont-ils ces 30 milliards aujourd'hui Aujourd'hui, bah, aujourd alors ils ont calmé le jeu sur euh, le rachat des dettes publiques, mais ils continuent à en faire. Ils ont été, sur ces, dernières, euh, ces derniers mois, notamment ces dernières années, essentiellement d'ailleurs sur les banques allemandes, pour acheter de la dette publique. Donc aujourd'hui, selon toutes les statistiques, il n'y a quasiment pas de financement de l'économie réelle. Il faut que l'Europe ne soit plus un gendarme austéritaire, mais un acteur de l'investissement. – Ça suppose de rompre complètement avec le système dans lequel on est aujourd'hui quand même, Yannick Jadot. – Non, c'est parfaitement. Alors là, vous êtes dans les traités, vous êtes parfaitement non. dans les traités. Il suffit juste de vouloir le faire. C'est parfaitement dans les traités aujourd'hui, quand je parle de la politique agricole commune, qu'elle soit cet formidable outil d'accompagnement de nos agriculteurs pour sortir des pesticides, du surendettement, du suicide d'un paysan tous les deux jours, d'un modèle agricole qui est un, un énorme plan social depuis tant d'années. Eh ben, c'est de la volonté politique. Les écologistes ont cette volonté politique là. Et si on fait ça, je vous le dis, enfin, on aura de nouveau un grand projet partagé à l'échelle de l'Europe. Le climat, la biodiversité, la solidarité et puis l'emploi pour nos jeunes et de nouveau l'espérance partout sur nos territoires en Europe. L'énergie renouvelable, ça divise, hein, surtout l'éolien. Mais ça divise qui Pardonnez-moi. Moi, je regarde les enquêtes d'opinion qui mmh. sont faites. 80% des Français sont pour, y compris là où on a installé des éoliennes. Vous savez qu'il y a 4000 éoliennes offshore. Offshore, en Europe. 4000. Plus de 4000 d'ailleurs. Il y en a plus de 1000 en Allemagne. Vous savez combien il y en a en France une, une reliée au réseau, elle est expérimentale. On a la deuxième façade maritime du monde, on a une éolienne connectée. Vous avez. À quel endroit Au Touquet Non. Au large du Croisic. Ah oui. Au large du Croisic, j'ai eu la chance d'aller la visiter parce qu'en plus c'est génial. C'est l'école centrale de Nantes qui a développé, parce qu'il faut des sacrés mathématiciens, c'est une éolienne flottante. Moi j'adorerais que nos mathématiciens on a parmi les meilleurs mathématiciens du monde plutôt que de s'orienter vers la finance à haute fréquence qui nous fait un peu de mal, ils s'orientent vers des projets y compris des projets qui rejoignent l'industrie européenne. On en a une. Vous avez l'usine de General Electric à Saint-Nazaire. Il y a 450 salariés possibles. Aujourd'hui, vous en avez à peine 100 qui travaillent parce qu'il n'y a pas de projet d'éolien. Vous aviez Siemens qui veut s'installer au Havre. Partout, il y a des entreprises qui attendent qu'on acte. Et puis, puisque le sujet de Blanquefort est dans l'actualité, avec euh, euh, l'usine Ford. Ford qui est en train de fermer, en 2010-2011, vous aviez First Solar, qui est une, usine, une, une entreprise américaine, qui voulait installer 400 emplois à Blanquefort. Pour faire des panneaux photovoltaïques. Et la politique du gouvernement français contre le photovoltaïque a fait que ce projet était condamné. Moi, j'avais vu aussi, parce qu'on parle du. Euh, C'est une usine euh, de Bosch Vénitieux qui faisait aussi euh, des pompes à injection pour le diesel. Bosch veut fermer l'usine. Les salariés se mobilisent. Les salariés se mobilisent. Vont voir Bosch en Allemagne en disant Nous avons un projet de conversion vers le photovoltaïque. Un magnifique projet de conversion. Bosch dit Banco, on soutient. Et bien, le fait que la France ne soutienne pas ces énergies renouvelables, cette usine aujourd'hui est aujourd en difficulté. Donc, voyez comment l'Europe peut être, par ses objectifs sur les énergies renouvelables, un formidable levier de réindustrialisation de nos territoires. Merci, merci Yannick Jadot et merci à Louis Daufrène. Nous allons marquer une pause dans ce premier face aux chrétiens, dans ce face aux chrétiens, cette première partie avec vous, Yannick Jadot, député européen et tête de liste des écologistes aux élections européennes du mois de mai, et on se retrouve dans un très court instant. À tout de suite. On se retrouve pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens avec notre invité Yannick Jadot, député européen, tête de liste des, des écologistes aux élections européennes du mois de mai. Les, les verts sont en ce moment jugés par les sondages ou estimés par les sondages autour de, de 10% et il est interrogé pour cette deuxième partie par Laurent de Boissieu de la Croix à qui je laisse la parole Laurent. Bonjour monsieur Jadot Bonjour alors vous disiez tout à l'heure que vous voulez révolutionner l'Europe de l'intérieur et, et vous dites que ce que vous voulez faire est possible dans les traités actuels. Euh, mais euh, la Banque centrale indépendante, avec comme euh, objectif principal la lutte contre l'inflation, euh, les règles budgétaires, notamment du déficit budgétaire, vous, vous parliez de, du comptable austéritaire sur l'Union européenne, euh, le principe de concurrence qui a induit une libéralisation des grands services publics en réseau, euh, ou encore euh, l'interdiction par principe des aides d'État aux entreprises. Donc vous parlez de politique industrielle, sauf des États qui ont un, un plan de sauvetage. Euh, tout ça, ce sont les traités. Donc comment voulez-vous faire votre Europe avec les traités, sans changer les traités actuels ?– Alors on a bien l'objectif de changer les traités et de faire une nouvelle constitution européenne. Euh, une constitution qui permettrait d'acter quel est notre nouveau projet partagé. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de confusion et il y a beaucoup de désarroi au sein de l'Union européenne. Et moi j'entends… Y compris euh, beaucoup de jeunes qui viennent me voir en disant euh, L'Europe, on nous parle toujours de la paix. Très bien, c'est vrai qu'on a la paix, et c'est quand même pas rien. Mais on a la paix, mais euh, ces commémorations de la paix euh, semblent plutôt masquer euh, une guerre économique dans laquelle on, on, pour laquelle on ne nous protège pas. Donc, euh, il ne revient. Euh, vous parliez de la BCE. La BCE a pris la décision de mutualiser les dettes publiques. Une mutualisation. Euh, euh, totalement, euh, au fond, illégal au regard des traités, mais totalement accepté par les États. Parce y a une je parlais politique parce qu'il y a une volonté qui, politique. Qui qui Et donc, sur... l'Allemagne, même si officiellement elle est contre la mutualisation de la dette, de fait, on a mutualisé près de 3 000 milliards d'euros. Mais il y avait un sauvetage bancaire là pour des questions écologiques. Je ne dis non, pas que ce n'est pas mon Le quantitative Le quantitative easing. Donc la, la création monétaire dont on parle là euh, va au-delà. Du, euh, du sauvetage des banques. C'est l'idée euh, d'éviter que l'activité baisse trop. Donc on injecte beaucoup d'argent dans le système financier et bancaire en pensant qu'il va y avoir un effet sur l'économie réelle. Malheureusement, on n'a pas cet effet sur l'économie réelle. Donc la BCE peut parfaitement faire ça. On parle de la règle des 3%. Enfin, encore probablement, la France ne va pas respecter les traités. Et, là, et en fait, on, on s'en fout, la réalité c'est qu'à un moment donné, parce que c'est la France, parce que la situation économique l'exige, donc nous ce que nous demandons, y compris dans le débat européen aujourd'hui, en ce moment au Parlement européen, c'est que tous les investissements en faveur de l'écologie sortent de la règle des 3%. – Vous assumez mais de sort, dire, on ne respecte pas les traités, on sort des sûr. traités, de fait. Dans On ne respecte qui... pas la parole des États finalement qui ont signé les traités. Mais ça n'a aucun sens. Les 3%, pour tous ceux qui ont, à un moment donné, construit cette règle des 3%, ça a été fait sur un quad table en disant 3%, c'est pas mal. À partir du moment où vous avez euh, un jeune sur 5, un jeune sur 6 qui n'a pas de travail en Europe, vous avez euh, ce sentiment pour beaucoup euh, que euh, l'Europe n'est plus qu'un un espace de comptabilité et d'austérité. c'est l'Europe que vous avez construite qui est construite. Non, enfin, pardonnez-moi, vous, euh, vous, les écologistes, euh, n'ont pas été au pouvoir en Europe, c'est l'Europe des dirigeants d'aujourd'hui. Libéraux de droite, libéraux de gauche et les libéraux du centre. Euh, cette Europe-là, aujourd'hui, elle génère tous les populismes qu'on voit monter. Alors est-ce qu'on se dit que le grand projet de l'Europe, c'est cette règle des traités des 3%, et à ce moment-là, on va avoir toutes les extrêmes droites qui vont gagner en Europe, ou est-ce qu'on se dit que l'Europe, c'est plus que ça, ça doit surtout être mieux que ça Regardez comment Salvini est arrivé. Il est Salvini, il était élu. Il n'a pas fait un coup d'État, il a été élu par les Italiens. Mais qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Italiens, pendant tant d'années De l'investissement plutôt que de l'austérité et des jeunes qui fuyaient l'Italie. Qu'est-ce qu'ils ont demandé, les Italiens De la solidarité sur l'accueil des migrants et pas se retrouver face, seuls face à 750 000 réfugiés. Qu'est-ce qu'ont fait les autres dirigeants européens Ils ont dit non, 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 non. Aujourd'hui, on a Salvini. On continue comme ça Ou on change notre logiciel Est-ce qu'on recrée, je, je, je le répète, est-ce qu'on fait de l'Europe un espace de création d'emplois Un espace d'ouverture un espace de régulation publique de la mondialisation et un espace pour nos jeunes, pour qu'ils s'y sentent euh, émancipés. Mais ne craignez vous pas que ceux qui révolutionnent l'Europe, finalement, vu les rapports de force électoraux aujourd'hui en France, mais aussi dans l'ensemble de l'Europe, euh, ne soient pas vous, mais davantage ceux que vous dénoncez là, les populistes, les extrêmes droites. Si on garde le même système libéral, les mêmes politiques libérales qui nient la contrainte écologique, on a un système libéral, il est deux fois plus gros que la planète, deux fois trop polluant, deux fois trop prédateur. Euh, si on nie euh, la concentration extrême des richesses qui fait perdre à tout le monde le sens du projet commun, si on nie cette réalité-là, le modèle, et les libéraux malheureusement nient ça, on a à la fin toujours les populistes. Il faut voir, moi je ne me résous pas à ce que, euh, y compris comme argument électoral, ça a été l'argument des conservateurs et des, euh, et des, euh, des travaillistes en Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Europe est un mal nécessaire. C'est nous ou le chaos. Le statu quo ou le chaos conduit toujours au chaos. Et à côté de ce pôle politique populiste, à côté de ce pôle politique libéral, moi je veux construire le pôle écologiste. Le pôle écologiste qui fait de l'Europe. Une espérance civilisationnelle et non pas une sorte de truc absolument détestable dont tout le monde va euh, se séparer ce, bientôt. Ce pôle de gauche écologiste. Et de ce pôle écologiste. Pique. Alors justement, voilà, venons-en là. Euh, longtemps, votre parti, euh, Les Verts, puis Europe Ecologie Les, les Verts, vous disiez on est ni droite ni gauche. C'était Antoine Vecheter. Et puis, euh, certaines nouvelles générations est arrivée, notamment Dominique Vonnet. Et là, il y a un ancrage à gauche on est une gauche écologiste. Euh, Aujourd'hui, euh, Comment vous définiriez-vous euh, Parce qu'on voit dans votre électorat, cet électorat qui est un peu le vôtre, est très décomposé aujourd'hui entre la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, avec une, une autre tête de liste, euh, le PCF, votre liste Europe Écologie Les Verts, Génération, hein, de Benoît Hamon, que vous avez soutenu à la présidentielle, et le Parti socialiste. Est-ce que cet émiettement-là euh, ne participe pas à ce que ce pôle-là soit finalement très minoritaire Non, je ne crois pas. Euh, euh, moi, je me définis comme écologiste. Euh... De gauche Non, j'arrive. Le quinquennat Hollande, vous le définissez comment Gauche ou droite De fait, le PS était à gauche dans les assemblées gauche. parlementaires françaises. D'accord. Le quinquennat Sarkozy Droite Droite dans les assemblées parlementaires françaises. Dans les, pardon. Dans les deux quinquennats, on n'a pas touché au nucléaire. On a bloqué le développement des énergies renouvelables et tout ce que ça voulait dire comme emploi dans nos zones rurales. Les pesticides ont augmenté. Et rien n'a été réglé sur les pollutions de l'air, au point que la France est mise en demeure devant la Cour européenne de justice pour ne pas agir suffisamment sur la pollution de l'air. Donc, cette gauche-là et cette droite-là ont défendu un vieux monde polluant qui génère des inégalités et un affaissement de la démocratie. Moi, je suis écologiste. L'écologie, c'est bien plus aujourd'hui que la gauche, c'est bien plus que le clivage droite-gauche. C'est à la fois se mettre en capacité d'agir sur le global. Et c'est se mettre en capacité de redonner du pouvoir aux citoyens à l'échelle de leur lieu de vie, à l'échelle des terroirs. Donc c'est ça que je veux créer. Et vous me dites, la gauche est émiettée et vous mettez les écologistes à gauche. Mais je vais faire avec les communistes qui sont pro-nucléaires. Je vais faire avec la France insoumise qui est aujourd'hui sur une dérive populiste anti-européenne. Je vais faire avec. Vous savez, juste, vous me permettez bien 30 sûr, secondes de pédagogie sur le Parlement européen Un tout petit peu. Oui, bien sûr. Le Parlement européen, ce sont des groupes politiques. Aucun n'a la majorité. Et l'élection européenne, c'est la proportionnelle à un tour. Vous mettez un bulletin vert, vous avez un député vert qui siège au groupe des Verts, et toutes les avancées sur l'environnement, la santé, les libertés publiques, ce sont les écologistes. La pêche électrique, l'huile de palme, euh, la protection des données personnelles, ce sont les écologistes qui sont au cœur de ces combats-là. Vous mettez un bulletin en marche aujourd'hui. J'arrivais sur la gauche. Vous mettez un bulletin en marche, vous rejoignez le groupe libéral. Et Emmanuel Macron, qui nous dit qu'il est le rempart aux populistes, son grand allié européen, c'est celui d'Adanos, le parti espagnol, qui fait alliance avec l'extrême droite en Andalousie. Donc, le rempart devient l'allié. Vous mettez un bulletin républicain, vous aurez un député qui rejoindra le Parti populaire européen, vous avez du centre droit très sympathique, très pro européen, certains sont très compétents, mais vous avez aussi les élus d'Orban. Et vous mettez un bulletin socialiste. Vous allez au groupe socialiste, vous avez les Roumains et les Slovaques en pleine dérive autoritaire, autocratique, populiste, mais qui a comme candidat les, les, les socialistes européens. Franz Timmermans, leur candidat commun, il est pour le glyphosate, pour le dumping fiscal des Pays-Bas et pour les accords de libre-échange. Moi, la seule chose que je réclame, c'est que notre seule ambition aujourd'hui, ça soit de sauver l'Europe. Et dans tout ce que vous me racontez, c'est plutôt la recomposition du paysage politique français, la préparation de 2022 que de sauver l'Europe et je veux de la cohérence et de la clarté. Je ne veux pas faire des unions de façade à Paris avec des gens qui voteront différemment à Bruxelles ou à Strasbourg. Je juge de la cohérence et je pense que c'est aussi une demande des, des électeurs français, plus de cohérence en politique, plus de clarté, plus d'honnêteté. Alors, soyons clairs, et si euh, un électeur met un bulletin Europe Écologie Les Verts, quel sera. Écologiste. Il n'y aura pas que Europe Écologie Les Verts. Oui, vous êtes déjà allé aussi avec des, des partis euh, régionalistes. Les régionalistes, hein, tout et tout et il y aura d'autres formations euh... écologistes, oui. – Oui, celle d'Antoine Wächter, justement, sans doute, qui, qui va s'allier avec Non, vous. pas Antoine Wächter, mais et puis il y aura de la société civile, Peu, bon, peu, peu, peu importe. c'est une liste écologiste. – Concrètement, ce bulletin de vote-là, euh, il amène quelle politique migratoire C'est un grand sujet pour les Français, euh, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous pensez pouvoir euh, ben, euh, faire accepter au Parlement européen et euh, au-delà, euh, au niveau européen, sur cette question-là de migration alors, le Parlement européen, notamment euh, sur, euh, sous notre euh, impulsion, euh, veut euh, totalement réviser euh, les règles de Dublin. Vous savez, euh, le, 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 le Dublin, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, un réfugié qui arrive dans un pays doit être géré par ce pays. Donc les 700 000 en Italie, vous vous souvenez de la Grèce, maintenant un peu de l'Espagne, et tout ça est totalement aberrant parce qu'il n'y a pas de solidarité dans l'accueil au niveau européen des réfugiés. Même des réfugiés que vous euh, contrôlez en France peuvent être renvoyés en Italie, en Espagne ou en Grèce parce que c'est là qu'ils ont débarqué. Ce Alors système, par quoi remplacer Dublin Eh ben, nous système. ce qu'on propose c'est d'améliorer Dublin. Comme. Pour faire en sorte d'ailleurs, euh, euh, y compris. Hein, moi, je, je me souviens des mots du pape quand il est venu au mmh. Parlement européen. Il a dit qu'il faut arrêter que la, que la Méditerranée soit, le, soit devienne un grand cimetière. Donc, il faut qu'on se répartisse l'accueil des réfugiés en fonction de, euh, vous savez, vous avez des groupes ils sont, euh, ils ont déjà, euh, de par leur village, de par leur famille, ils sont déjà dans un pays, et eh bien qu'ils puissent rejoindre ce pays où il y a déjà leur famille, leur village, pour justement favoriser à la fois leur accueil en dignité comme leur intégration. Pourquoi j'ai souhaité avoir Damien Carême, numéro 3 sur la liste, qui est, qu est maire de grande sainte Non seulement il fait les cantines bio, il fait les transports publics, tout ça, mais il accueille en dignité les réfugiés. Je veux qu'on démontre qu'en Europe, beaucoup d'élus, beaucoup d'associations accueillent les réfugiés en dignité. Et c'est quand même fabuleux. Il a accueilli un médecin syrien. Et aujourd'hui, ce médecin syrien est en train d'être formé pour avoir les équivalences pour pouvoir devenir médecin à Grande-Sainte. J'ai vu à Coutières, une commune euh, du, euh, du centre, euh, 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 le fait d'avoir huit Afghans réfugiés à Coutière fait qu'ils ont pu relancer l'équipe de foot et ils sont très contents au niveau des villages d'avoir de nouveau une équipe de foot. Et parfois, ça permet de trouver des emplois, d'avoir des personnes ou de recréer des services publics comme des écoles. Donc, on a cette idée que l'Europe doit assumer, c'est pas simple, hein, mais doit assumer une responsabilité collective, notamment dans l'accueil des migrants. Eh bien, merci. Merci, merci Yannick Jadot d'avoir, euh, en effet, éclairé un petit peu quelle serait votre politique en matière euh, migratoire, parce qu'on sait bien que la fracture de l'Europe euh, est venue beaucoup sur cette euh, question Absolument. de l'immigration. Ça nous permet aussi de marquer une deuxième pause dans ce Face aux chrétiens avec vous, Yannick Jadot. Et on parlera tout à l'heure avec euh, Romain Masnaud de RCF de cette Europe et euh, plus des. Proposition écologique. À tout à l'heure. On se retrouve pour cette troisième et dernière partie de face aux chrétiens, réalisée en partenariat avec la Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Et nous avons comme invité cette semaine Yannick Jadot, qui est tête de liste des écologistes aux prochaines européennes. Et il a, on va parler de la transition écologique, précisément. Qu'est-ce qu'elle sera, cette transition Alors, il, il développe cette idée dans son livre, qui, aujourd'hui, tout commence. Et on va aller un peu plus loin avec Romain Masneau de RCR. Romain. Alors, compte tenu des, des faibles pouvoirs du Parlement européen, quand même aujourd'hui, on a souvent l'impression que ces élections européennes, c'est davantage un, un sondage grandeur nature pour les partis politiques, en, outre les enjeux financiers. Euh, mais il y a quand même des, des actes concrets. De quels actes concrets seriez-vous le plus fier comme membre du groupe écologiste au Parlement européen sur la dernière mandature Alors, euh, sur beaucoup de décisions, le Parlement est en codécision, c'est-à-dire que euh, le Parlement ne décide pas seul. Il décide avec le Conseil des États, mais c'est la loi européenne, le droit européen est issu d'une négociation entre les États et le Parlement européen. Sur les accords de commerce, sur l'agriculture, sur la pêche, sur euh, énormément de dossiers, c'est ce résultat. Donc le Parlement européen a un rôle extrêmement important. Euh, sur, en revanche, malheureusement, il ne décide pas, par exemple, sur euh, la fiscalité sur la remise en cause du dumping fiscal. Le Parlement européen a peu de pouvoir, mais il essaye d'en acquérir. Euh, de quoi je suis le plus fier Je dirais, euh, dans les toutes dernières semaines, on a gagné sur la pêche électrique. La pêche électrique, c'est une sorte de, euh, de chalutage où on électrocute l'ensemble de la vie euh, marine euh, pour essayer de faire décoller les sols. Ça détruit totalement les écosystèmes et en même temps, ça détruit les... Euh, métier de pêcheur artisan. Je me suis battu avec Bloom, l'association qui a mobilisé l'opinion publique avec tous les pêcheurs artisans des Hauts-de-France mais aussi de Grande-Bretagne et d'ailleurs pour arracher cette décision-là et la pêche électrique va finir par être supprimée. Et quand je parle de l'Europe des terroirs, mon sujet c'est pas évidemment de protéger les écosystèmes les ressources, l'environnement, mais c'est aussi de faire en sorte que nos territoires côtiers restent vivants parce qu'on a des métiers de pêcheurs artisans. Autre sujet sur lequel l'Europe pourrait être beaucoup plus, ou le Parlement, beaucoup plus protecteur, c'est de stopper ces accords de libre-échange. Les accords Comme de libre échange, le, le CETA avec le Canada, typiquement, il faut y renoncer à tous ces accords-là. Mais bien sûr, parce que ce qui se joue, c'est pas le commerce entre l'Union européenne et le Canada. Il est déjà très libre ce commerce. Ce qui se négocie là-dedans, ce sont nos règles de vie, ce sont nos choix de société. Nous, par exemple, on veut défendre des élevages, y compris des élevages paysans. On adore avoir des bêtes en montagne, on adore avoir toutes nos races. Je sors, je sors du salon de l'agriculture, on adore avoir nos éleveurs. Là, ce qu'on va importer du Canada, c'est des élevages de 50 000, 60 000 animaux, dans des conditions d'élevage absolument effroyables, des animaux qui sont shootés aux antibiotiques. Et ces importations-là, vont, en fait c'est la mondialisation de la malbouffe, de la souffrance animale de la disparition des paysans au nord comme au sud Yannick Jadot, s'il vous plaît on, on va reprendre la question de Romain de Romain Masneau euh, de quoi étiez-vous le plus fier dans Donc, la dernière la mandature électrique. Vous avez la dit électrique. la pêche électrique, on a envie de savoir à quoi ont servi les écologistes Absolument. La pêche électrique, on a gagné sur une ambition beaucoup plus forte de l'Union Européenne en matière d'énergie renouvelable et moi je rêve pour nous comme pour nos enfants. Vous vous rendez compte si le projet de l'Europe c'était de dépendre du soleil, du vent, de l'eau, de la mer, de la géothermie, de la biomasse pour notre énergie plutôt que de Trump, de Poutine, des pétrodictatures du Golfe ou euh, de, du Gabon euh, d'Ali Bongo Imaginez qu'on ait cette souveraineté énergétique à partir des énergies renouvelables. Bah, on a gagné sur une ambition beaucoup plus forte de l'Europe. Ce sont les écologistes qui ont été au cœur de la négociation sur la protection des données personnelles. Vous savez qu'on a un modèle qui aujourd'hui est en train de s'imposer dans le monde entier pour faire en sorte que nos vies privées, nos vies privées, que nos goûts, nos préférences, nos comportements ne deviennent pas une marchandise. Est-ce qu'il y a un projet plus beau que de stopper la marchandisation du monde où chaque aspect de la vie privée, Devient une marchandise. C'est terrible, cette société vers laquelle on va. Et donc, les écologistes ont été au cœur de ça. Quand vous êtes au Parlement européen, vous êtes d'abord écologiste ou, ou français José Bové, qui ne se représente pas, dit que le, le, le pays d'origine pèse trop encore. Bien sûr, sur trop de dossiers, euh, euh, les députés, euh, au fond, fonctionnent euh, à la fois euh, par euh, euh, intérêt national ou trop souvent par l'intérêt de certains lobbies, plutôt que l'intérêt général européen. Quand je parlais tout à l'heure en matière industrielle, nos souverainismes nationaux, ça tue nos industries chez nous comme partout en Europe. Donc moi, quand je défends l'agriculture, je défends toute l'agriculture européenne. Quand je défends l'environnement, ça n'a aucun sens de dire je protège le climat en France et je ne le protège pas euh, en Europe. Donc nous sommes des Européens, mais moi, je suis, je suis très fier d'être français, mais je suis très fier aussi d'être européen. Vous parliez de l'agriculture, ça va être un des grands chantiers. Ouais. Et le, ça, va, ça va se jouer en partie au Parlement européen, là, la révision de la, de la politique agricole commune qui représente 40% du budget ouais. de l'Union. Euh, comment accélérer la transition vers une agriculture qui soit plus respectueuse de, de l'environnement, de la santé Avec le courage que nous avons de combattre les lobbies. Aujourd'hui, vous l'avez dit, notre modèle d'agriculture est à la fois est extrêmement coûteux, mais ce n'est pas le sujet. Moi, je n'ai aucun souci à ce que chaque Européen, chaque Européen, quel que soit l'âge, donne 114 euros par an à l'agriculture, en subvention publique. Et je ne parle pas du coût de, euh, des pollutions de l'eau. Bon, voilà. On donne ça. Est-ce qu'on en a pour notre argent Je l'ai dit tout à l'heure, 30 à 40 des paysans dans notre pays vivent avec moins de 360 euros par mois. Un suicide tous les deux jours. Je ne connais pas un secteur économique où il y a un suicide tous les deux jours et personne ne fait rien. On a les, les populations d'insectes euh, qui sont en train de totalement disparaître. On a des sols qui deviennent comme du bitume. Il n'y a plus de vie dans nos sols à force de pesticides et de chimie. Est-ce que c'est pour ça qu'on donne autant d'argent Eh bien, on sait sur tous nos territoires et on les connaît. Dès qu'on se déplace à la campagne, on les connaît. Des paysans qui respectent l'environnement, qui ont un revenu décent, qui respectent les animaux et qui nous fournissent une alimentation de qualité, il y en a des milliers qui sont sortis du glyphosate, il y en a des milliers partout. Moi, ce que je veux, c'est que cette politique agricole commune, eh ben, ce soit l'outil de soutien à tous ceux qui font bien et l'outil de transition à tous ceux qui doivent... Évoluer, je veux emmener tous ces paysans. Et il y a une prise de, de conscience au-delà des politiques étiquetées écologistes aujourd'hui, votre rôle c'est aussi de, de tirer que, les autres, euh, autres partis oh, vers cette prise bien de sûr. conscience. Mais de toute façon, au Parlement européen, il faudra construire une majorité pour gagner. Sauf que, moi je le vois, tout le monde est pour le climat aujourd'hui, tout le monde est pour le, 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 la, la biodiversité, tout le monde est contre les pesticides, tout le monde est pour les énergies renouvelables. Sauf qu'à un moment donné, quand il s'agit de voter, vous avez ceux qui en parlent beaucoup quand ils sont à Paris et qui votent différemment quand ils sont à Strasbourg, qui votent même le contraire. Ils, lobbies, ils votent moins pour les énergies renouvelables, moins pour la rénovation de nos bâtiments, plus pour le pétrole, plus pour le nucléaire, plus pour le charbon, plus pour les pesticides. Et les écologistes ont cette spécificité au Parlement européen. Euh, pardonnez-moi de le revendiquer de manière un peu solennelle, de ne jamais céder face au lobby. Et quand je mets Benoît Biteau, quand on met Benoît Biteau sur notre liste, qui est paysan en Poitou-Charente, il démontre tous les jours que le modèle paysan est là, pour le coup, biologique, ça marche mieux que le reste. Est-ce qu'on peut à un moment donné, quand je dis l'écologie, c'est le pragmatisme, et le réalisme, est-ce qu'on peut regarder la réalité des choses les énergies renouvelables, deux fois moins chères que le nucléaire, créent deux fois plus d'emplois que le nucléaire. L'agriculture paysanne, aujourd'hui, elle fait mieux vivre ses paysans et elle nous fournit une alimentation de qualité tout en protégeant l'environnement. Est-ce qu'à un moment donné, plutôt que d'être en marge des politiques publiques, tout ce qui va bien dans la société peut être au cœur des politiques publiques comment vous vous situez sur le, le débat émergent entre le bio, l'agriculture biologique qui peut être industrielle, et, et la bio donc, euh, qui suppose un, un changement de, de mode de, de production dans les choix de consommation Comment vous vous situez là ?– Alors, souvent on dit le bio quand ça concerne l'alimentation et la bio quand ça concerne l'agriculture. Mmh. Euh, 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 il faut éviter que la bio, donc l'agriculture biologique, devienne une agriculture aussi industrielle que tout le reste. Alors certes, elle utilisera moins de pesticides, tant mieux, mais elle ne fournira pas plus de paysans. Elle ne s'inscrira pas plus dans une dynamique économique de nos territoires. Les, enfin, quand vous mangez, en plus on est le pays de la gastronomie, au patrimoine mondial de l'UNESCO, si on pouvait faire en sorte qu'il y ait plus de circuits courts, plus de paysans sur nos territoires, et que ça crée de la vie économique, ça crée des services publics, ça crée du, du vivre ensemble. Tout simplement, ça serait quand même magnifique. Et aujourd'hui, on a les paysans qui le font, une partie des paysans le font, et de plus en plus les autres, d'ailleurs, regardent les paysans bio comme un modèle. Il y a 20 ans, ils les regardaient en ricanant. Aujourd'hui, ils les regardent comme un modèle parce qu'ils vivent mieux, parce qu'ils sont moins malades, et parce qu'ils dépendent moins de l'industrie chimique, ils dépendent moins de l'importation du soja transgénique, et ils voient ces paysans plus en, en, en fierté. Les paysans sont fiers. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de leur suicide. C'est pour ça qu'ils ne parlent moins, pas assez de leur surendettement. C'est pour ça qu'ils parlent pas assez de leur solitude. Mais ils sont fiers. Et ils voient des paysans qui sont plus en, en lien avec la société, avec les consommateurs, avec les citoyens, avec les enfants dans les cantines, qu'eux euh, que, que qui, qui sont piégés dans, le, dans la chimie et le surendettement. Eh bien, moi, je veux qu'on les accompagne. Et on a fait d'ailleurs un outil assez, assez, assez intéressant qui s'appelle votrepac.eu. Ou sur ces 114 euros que chaque Européen dépense, on dit Emparez-vous de la PAC. C'est la première des politiques européennes en montant budgétaire. Emparez-vous de la PAC. Décidez de là où vous voulez mettre votre argent. Les petites fermes, les grosses exploitations. Plus de pesticides, moins de pesticides. Plus de jeunes ou une agriculture très concentrée avec juste quelques agro-businessmen. Ça, ça ne marche pas. – Est-ce que vous soutenez les militants de la cause animale Et jusqu'où il faut aller On a vu il y a quelque temps, des véganes qui saccageaient des, des boucheries. – Ça, je n'aime pas. Hum. Moi, je crois qu'il euh, faut qu'on ait un système alimentaire qui consomme moins de viande, c'est meilleur pour notre santé. Rien qu'écouter les médecins, c'est meilleur pour notre santé de moins consommer de viande. Euh, c'est évidemment meilleur pour l'environnement et pour le climat. Donc consommons moins de viande, mais consommons une viande locale. Consommons une viande d'éleveurs paysans. Ils, ils, ils aménagent nos territoires et ils nous fournissent un produit de qualité. Alors, on peut être vegan, on peut faire ces choix-là, évidemment. Euh, C'est très bien si euh, les personnes y arrivent, mais on ne peut pas saccager euh, des, euh, des, euh, des boutiques, euh, des charcuteries, des boucheries. On ne peut pas faire ça. C'est au fond euh, détourner euh, euh, le combat absolument légitime et dans lequel je m'inscris totalement contre l'élevage industriel et la souffrance animale. Je crois que dans votre programme, vous soutenez une sécurité sociale de l'environnement. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est ça Au sortir, euh, quand je dis qu'il faut retrouver euh, le courage de nos pères fondateurs de l'Europe face aux défis d'aujourd'hui, il faut aussi retrouver le courage euh, des, des acteurs du Conseil national de la résistance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont dit quoi Il y a le social et la santé qui doivent être des grands défis qui doivent mobiliser toute la société pour créer une solidarité et pour diriger la sécu. on va mettre les acteurs de la société pour diriger la sécu. eh bien la transition écologique est tellement importante aujourd'hui et difficile complexe moi je veux que toute la fiscalité écologique abonde une sécu de l'environnement et que cette sécu de l'environnement elle soit dirigée non pas par bercy et ces feuilles Excel déshumanisées, mais qu'elles soient dirigées par les entreprises, les salariés, les familles, les associations, les collectivités locales, et qu'on se dise comment on organise à l'échelle des terroirs la transition pour qu'il n'y ait pas un salarié qui soit au bord de la route, pour qu'il n'y ait plus de victimes des pesticides, pour qu'il n'y ait plus de mal logés en situation de précarité énergétique. C'est ce grand dessin, ce grand projet partagé qui doit mobiliser toute la société française. Dans votre livre aussi, euh, vous dites que euh, nous sauverons l'Europe qu'en la rendant plus proche des citoyens. On ne voit pas comment on va rapprocher l'Europe des citoyens. Comment vous allez faire Déjà, si l'Europe devient immédiatement concrète et utile pour les citoyens, on crée de l'emploi, on protège votre santé, on protège l'environnement. Deux millions de jeunes, tous les ans, vont dans un autre pays et font un stage ou font une activité sportive, culturelle, un métier, une formation. Tout ça va faire que l'Europe va devenir, non pas, je l'ai dit tout à l'heure, un projet euh, déconnecté à Bruxelles, un projet hors sol, mais va être utile directement aux citoyens, elle redeviendra citoyenne, parce que qu'on se sentira tous, au fond, acteurs du projet européen. Alors oui, moi j'aimerais qu'au fond, les, 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 les Européens aiment autant euh, leurs députés européens que leurs maires, qui se sentent autant protégés, aussi proches de leurs députés européens, parce que les députés européens organisent, qui redeviennent souverains de leur vie, qui ils soient de nouveau dans une espérance de solidarité au niveau de la communauté humaine à laquelle nous participons tous. J'ai une dernière question. On n'a pas parlé du Brexit, mais pourtant, j'ai une question. Est-ce que l'Europe se fera plus facilement à 26 qu'à 27 et pourquoi se ferait-elle plus facilement sans les Anglais Alors, l'Europe qui passerait de 28 à 27 28 euh, avec à 27, la, la, oui. la, la, la sortie oui. euh, de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, ça a toujours été compliqué. Euh, euh, quand ils étaient dedans, ils avaient toujours un pied dehors. Maintenant, ils veulent en sortir et ils veulent absolument garder un pied dedans. Euh, ce qui est évident, c'est que euh, la Grande-Bretagne, par son comportement, nous a empêchés euh, d'avancer sur la question sociale. Nous a empêché d'avancer sur la question démocratique ou sur une plus forte euh, intégration. Mais je ne me réjouis pas qu'un grand pays sorte et je ne me réjouis pas que des gens aient voté, parfois pour de justes questions sociales, euh, parfois par haine euh, du migrant, euh, et boucher l'horizon de leurs enfants. Vous vous rendez compte, dans le monde d'aujourd'hui, on ferme le continent à ses enfants. C'est une, une absurdité totale. Ce qui est certain, c'est qu'il faut tirer les leçons du Brexit. Comme tirer les leçons de Salvini ou de tous les extrêmes droites qui ont monté en Europe, et il faut changer le logiciel européen. Si on ne change pas le logiciel européen, ce sont les extrêmes droites qui vont s'emparer de l'Europe. Et quand on me parle dans cette période de dire pourquoi tu veux pas participer à la recomposition politique française, pourquoi tu veux pas qu'il y ait un, un groupe qui se crée pour 2022, je dis attention, attention. L'Europe est en train de se disloquer. Il y a cinq ans, quand je faisais campagne, il n'y avait pas le Brexit, il n'y avait pas Salvini, tout ça. L'Europe est en crise, l'environnement est en crise, et mes deux seules préoccupations, cette campagne, sauver l'Europe pour sauver le climat, pour offrir une espérance civilisationnelle, pour offrir un avenir à notre jeunesse. Eh bien, un grand merci, merci de ce infiniment. plaidoyer pour l'Europe, de ce plaidoyer écologiste. Et euh, c'est la fin de ce Face aux chrétiens avec vous, Yannick Jadot. Merci de votre invitation. Euh, et euh, je dis à nos auditeurs et téléspectateurs que s'ils ont pris cette émission en cours, ils peuvent la retrouver dans son intégralité sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO. Et bien évidemment, bien évidemment, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Ce sera Nicolas, Nicolas dupont ignan le chef de file de Debout la France, le président de Debout la France. Donc, à la semaine prochaine.